m'appelle Maria. J'ai 7 ans et je vis à Alep, en Syrie. C'est mon petit frère qui pleure. Depuis les bombardements et la perte de nos parents. Ses larmes ne cessent de couler. Nous arrivons dans l'entrepôt où sont stockées donc la farine, les denrées alimentaires qui vont partir pour la Syrie, Inch'Allah. Donc vous voyez, c'est pratiquement une quarantaine de semi-remorques qui partent chaque mois pour la Syrie. Donc voilà, ça c'est la distribution du mois de novembre, comme vous voyez. Voilà, jusqu'à maintenant. Donc 10 000 tonnes ont été distribuées en 2016, 10 000 tonnes, 1000 tonnes par mois. Donc vous voyez vos dents, voilà, ils sont ici. Donc nous sommes avec Omar, notre responsable logistique ici dans à Antakya. Donc ils sont en train de préparer, on est en train de préparer le départ d'un convoi d'hiver, donc qui est composé de papy, de couverture, et ici c'est quoi, marhada ish fi hada wisadat, donc c'est des oreillers. Donc ça c'est le kit hiver, donc il va partir dans la région de Alep dans les prochains jours. Salam alaikum à toutes et à tous. Donc voilà, nous sommes arrivés devant l'école Al-Houda que Human Happy va prendre en charge pendant un an. Pour l'instant, Inch'Allah, peut-être plus que ça, Inch'Allah. Donc l'école Al-Houda qui se situe donc dans la ville d'Antakya, ville frontalière donc avec la Syrie, et qui accueille actuellement plus de 550 élèves, école primaire et collège. Et donc c'est une école, mais elle ne ferme pas même pendant les vacances scolaires. Donc toute l'année en fait, c'est plus de 2500 enfants qui profitent des activités qui sont données dans cette école. Toutes les recettes qui vont être collectées pendant ce Centre de Flight iront pour les projets éducatifs de Human Appeal.
7 ans aujourd'hui. Mais la vie en a décidé autrement. Mon petit frère est en sécurité et heureux dans sa nouvelle famille. Il a retrouvé le sourire. Je vous confie son avenir.